Hello tout le monde, on est sur MXGP, voilà justement. Donc on va se faire une petite course contre la montre parce que on a un petit bug beaucoup en course normale. Donc on va se faire une petite course vite faire en contre la montre donc ça va être assez sympathique. Ok, du coup, faire en ligne, ouais. Départ, on a le contre la montre, on a le mix 1. Et le officiel. Donc là, on choisit un pilote. Donc, on va prendre Kawasaki. Là. Allez, on va prendre un petit belge, si je ne me trompe pas. Bon, un petit allemand. Allez, on va au Portugal. Aguador, Brésil, la France. Parce que ça c'était la Belgique. Donc j'ai pris un petit Belgique. Donc on va aller en France pour changer. Donc on va aller. Oh putain il est chaud. Donc je vous dis que je franchement c'est pas mon style de jeu du tout. Hein. Moi c'est vraiment voiture, on verra bien. Donc on va se faire 2-3 petits tours, histoire de faire une petite vidéo découverte, on va dire, sur les jeux. Donc par contre j'ai passé la cinématique parce que ça allait être moche aussi. En gros ça va couper toutes les 10 secondes, donc je préfère mieux ne pas de rien mettre. Il a bugué un peu. Donc là, on a la course contre la montre. Donc on va rejoindre le circuit. Oh, oh putain, il est quand même là. Comment tu peux bouger là? Ah, c'est peut-être à cause de la capture. Bon, donc excusez-moi que le jeu soit pas un peu superbe. Hein. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, bah alors là, c'est sûr que je vais pas battre les records. Hein. Putain, mais en plus, le pire, c'est que je me retrouve dedans. C'est quoi cette... Putain, ce cochon, bon, je vous dis tout de suite, je suis vraiment pas bon, ça se voit encore plus là. Et j'y ai pas joué beaucoup. J'ai joué un peu, une fois que je l'ai eu. Putain mais merde. Mais en fait le truc c'est que j'ai tellement de sorties de piste que à chaque fois sur le terrain. Allez putain mais arrête de me faire chier. Mais putain. Bon. Je sens qu'on va faire deux tours, ce sera largement suffisant. Donc ce jeu je le trouve assez joli quand même. On va dire qu'il tourne plutôt. Ah, il tournerait bien si j'avais un meilleur PC, mais bon, on va dire que j'ai pas les moyens d'en acheter un autre. Enfin, on va dire c'est ce qui est vrai. Ah putain mais. Donc c'est ce qu'il en est, c'est pour ça que j'ai fait qu'une seule vidéo découverte. Et je fais des... Ah, vous voyez, c'est des trucs de merde, franchement. Ça me dérange un peu de vous faire un truc comme ça, là. Hein.
Allez, hop, c'est parti. Combien de fois je me casse la gueule, ça je me donne. C'est sûr que si on faisait une course avec un vrai PC, non, je veux dire que mon PC s'en prend pas, mais on fait encore un petit tour ou deux et on verra après. Putain, je suis obligé de me coller contre la barrière. Et en plus, je me remets là où j'en étais tout à l'heure. Franchement, c'est tellement énorme que ça en devient ridicule. On va faire deux petits tours et on va... C'est parti, du coup. Fais gaffe. Je me demande si je vais pas faire un petit montage marquant le nombre de gamètes que je me suis pris, parce que franchement, c'est tellement énorme que ça revient même lourd. Voilà, il y a une. J'ai décalé. Allez, encore une, allez. Ça suffit. Allez, encore une. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis encore gamelé. Non, je n'ai rien vu. Ça doit être le pro. Bon, là c'est une sortie de piste. Allez, une ressortie de piste. Ah non, je me suis pas cassé les gaz cette fois. Ah bah c'est. Je demande combien de fois je me suis cassé la gueule. Allez, une autre fois. Il doit pas en être loin des 15, là, 15 ou 20 gamelles. C'est un peu chiant quand même. Hein. Mais bon. Elle était noyée. Donc là, je suis à la manette Xbox 360. Je me concentre un peu sur ce que je fais. Allez, encore une fois, on essaie de piste. Donc j'essaie un peu de gérer le jeu, mais bon, j'y arrive pas bien. Je suis pas en gros, je suis pas dans mon élément, surtout que je joue pas plus du tout. Je préfère encore jouer sur un retrait guidé. Mais encore, la piste qui s'est passée, putain, pourquoi tu m'as téléporté comme ça? On va faire un petit tour encore parce que là, c'est vrai que c'est le meilleur tour là. Là, mon ordi a l'air de là. Tourner un peu plus vite et ouais bah vas-y mets-moi dans le trou, le seul gros trou qu'il y a sur cette map là. Allez, allez. Bah c'est sûr que si en gros si je fais que de la merde là depuis tout à l'heure. Que de la merde, et quand je dis que de la merde, c'est que de la merde. Oh, ouais, encore initialisé. Je pense que je vais faire un espèce de petit compteur magnifique pour... Je sais pas si ça peut se faire ça. Thank you.
Bon, bah, je crois que mon ordi, en fait, ce que, de par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il commence à me faire chier, en fait. Alors, ouais. Ah, il est sorti. Je pense que je vais faire un espèce de petit compteur d'unité juste pour compter le nombre de sorties que j'ai fait, parce que ça doit être énorme. Allez, une gamelle. Le nombre de sorties de gamelle, en gros, le nombre de fois où ils m'ont initialisé mon véhicule. Donc comme vous voyez, mon ordi n'est pas du tout fait pour ça. Hein. Encore un gamel. Donc là, on va s'arrêter là. J'ai réussi à me galer à crever en faisant un wheeling, quoi. Sérieux. Donc on va retourner au menu principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Comment dire, à liker la vidéo, à partager sur YouTube, Facebook et Twitter, à regarder aussi ma page Facebook et Twitter, j'en serai content. Là on est à J-2 de l'Odyssée de Tunnel Simulator, en gros. Donc je vais dire une traversée de l'Europe en camion avec moi. En gros, on va aller du Caire à Cambridge. J'espère que ça vous fera plaisir, parce que franchement, moi, je me donne à fond là-dessus. C'est un projet que j'ai envie d'aboutir, que j'ai envie de mettre en place. Et pour l'instant, il se met plutôt bien en place. Donc, normalement, je devrais filmer d'ici quelques jours. Là, quelques minutes, maintenant. Donc, voilà. Donc, je vous dis plus. La prochaine fois, dans l'hebdo du routier spécial Odyssée de Noël. Et le prochain vidéo test sur un jeu de politique. Il me semble, hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Sur un jeu de politique qui est pas très franchement très joli, très beau, pas très compréhensible non plus quand on connaît pas la politique. Donc c'est vraiment un jeu qui est pas très intéressant. Donc c'était le même simulateur, je vous dis à la prochaine. Ce jeu, je le trouve bien. Il n'est pas adapté pour mon ordi, ça je le sais. Je voulais vous faire juste un petit test. Et en plus, avec la claque à capture, c'est encore plus moche. Normalement, d'habitude, il tourne quand même un petit peu. Bon, donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo test ou pour l'hebdo du routier ou des vidéos sur Farming 2015, puisqu'il va y en avoir. Il y en a une qui a eu lieu lundi dernier. Donc voilà, à plus, ciao.